on the two chasers. And around about 1.5 kilometers to start the climb. Very shortly, he'll move into the outskirts of Saint-Jean-de-Maurienne. He'll reach a small roundabout, immediately turn left, and then it's all uphill to the finish, 18.5 kilometers. And that's when we're bound to see some real serious action in the main field as well, because Jean Lalonde, Floyd Landis's teammate, team manager, reckons... Si on va s'effectuer, Nibali lui dit, on roule ensemble, peut-être un accord à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont pu se dire? C'est un gentleman, c'est là qu'on voit que Vincenzo Nibali immédiatement discute avec le coureur qu'il rejoint, il prend la direction des opérations, mauvaise trajectoire pour Pierre Roland, sans conséquence évidemment, les deux coureurs ont travaillé jusqu'au pied de la dernière ascension. Et le scénario qui se reproduit pour Romain Bardet qui passe en troisième position, qui engrange les points pour le classement du meilleur grimpeur, qui a un problème de dérailleur dans la descente, il appelle sa voiture, il est dépanné et il repart alors qu'il était devant le groupe. Sur ce Tour de l'Avenir, lui, le vainqueur de la Ronde de l'Isard cette année, du Baby Giro et du Tour du Val d'Aoste, un triplé qui était inédit, et il a réussi à décrocher tout le monde, même le maillot jaune, Bernal. Voilà, donc en fait, il y a une échappée qui est partie très tôt hein, dans le col de la Madeleine, qui était la difficulté principale du jour. Une échappée où il avait un équipier russe à l'avant, et puis il est passé à l'offensive, il est rentré devant. L'échappée a explosé et il est le seul survivant avec l'Américain. Pour un spécialiste du chrono, il devient provisoirement le meilleur grimpeur de ce Dauphiné.